Bienvenue. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je suis Hélène Wen, l'ambassadrice du Talmor en bord de ciel. Et vous êtes? Ah oui, je me souviens avoir vu votre nom sur la liste des invités. Parlez-moi un peu plus de vous. Excusez-moi de vous. Quel bon vent vous amène en bord de ciel? Qu'y a-t-il, Malborn? C'est que nous sommes à court de vin alto. Ai-je votre permission pour déboucher cette bouteille d'eau? Naturellement. Je vous ai déjà dit de ne pas m'importuner avec de telles broutilles. Bien, Madame l'Ambassadrice. Mes excuses. Nous essaierons de faire plus ample connaissance un peu plus tard. Passez un agréable moment. Est-ce dû à la chance? À la bénédiction des divins? Qui sait? Que puis-je faire pour vous? Ah, vous avez réussi à entrer. Parfait. Dès que vous aurez distrait les gardes, j'irai ouvrir cette porte et nous pourrons poursuivre. Espérons que tout se passera bien. Tenez, voilà pour vous. De la colo de vie, la meilleure qui soit. Avez-vous besoin d'autre chose? À la prochaine. Pour qui sait comment gagner de l'argent, la guerre peut être une occasion extrêmement profitable. Très bien. Voilà une jeune fille bien accorte, même pour une elfe. Hé, hey, toi! Ouais, la serveuse. Comment t'appelles-tu, ma belle? Brelas, monsieur. Souhaitez-vous une boisson? Un encas? Non, c'est pas ça qui m'intéresse pour le moment. Je voulais simplement mieux te regarder, mon enfant. Tu es très jolie. Tu peux me croire, je ne dis pas ça à tout le monde. En matière de femme, je suis un perfectionniste. Oh, merci. Puis-je faire quelque chose d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à boire ici? Pas pour le moment. Pardonnez-moi, je ne savais pas que vous étiez là. Permettez-moi de me présenter. Oui, monsieur. Razelan. Je suis dans l'import-export. Mais mon passe-temps, c'est d'observer la nature humaine. Tous les soldats sont... Vous êtes la seule personne généreuse au milieu de tous ces grippe-sous et parasites. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas à demander. Avez-vous eu l'occasion d'aller à Rorikbourg? Merveilleux! Comme ça, je pourrais vous remercier de votre générosité immédiatement. Je vous écoute. Sont toujours abondants. C'est tout? Vous vous adressez à la bonne personne. Faire du tapage, c'est un peu ma spécialité. Reculez et admirez le travail. Tout va, on ne peut mieux, merci. Votre attention! Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? J'ai une annonce à faire. Je propose... Vite, dépêchons-nous, avant que quelqu'un ne nous remarque. Maîtresse. Au sens figuré, bien sûr. Personne au monde ne voudrait la voir. Jusqu'ici, tout va bien. Espérons que personne ne nous a vu nous éclipser. Nous devons traverser la cuisine. Votre équipement est caché dans le garde-manger. Restez près de moi et laissez-moi parler, d'accord? Suivez-moi. Nous ne voudrions pas offenser nos suzerains Talmor. Qui est là, Malborn? Tu sais bien que je n'aime pas les odeurs étranges dans ma cuisine. Un convive qui ne se sent pas bien. Il vaut mieux ne pas s'en occuper. De la visite dans la cuisine? C'est contraire aux règles. C'est génial, hein, Xavani? Au fait, je croyais que c'était interdit de manger du sucre lune. Je devrais peut-être demander à l'ambassadrice... Sortez, je n'ai rien vu. Je vais verrouiller la porte derrière vous. Votre équipement se trouve dans ce coffre. Je vous conseille de réussir. L'hiver a été terrible. Vite! Si quelqu'un se rend compte que je ne suis pas à la soirée, notre compte est bon. Je suis bien d'accord. Je vous laisse à présent. Bonne chance. Ce matin. Qui les envoie? S'agit-il de nouveaux exécuteurs du traité de l'émissaire? Non, ce sont de hauts mages venus tout droit d'Alimor. J'imagine qu'elle-même commence enfin à s'inquiéter de toutes ces attaques de dragons. Ah, bien. Je me demandais comment nous devions nous y prendre pour protéger cet endroit d'un dragon. Si un dragon apparaît vraiment, avec un peu de chance, il commencera peut-être par dévorer les mages. Comme ça, nous aurions assez de temps pour le tuer. Ah, j'aimerais voir ces espèces d'arrogants remis à leur place.
Ils regardent toujours de haut les vulgaires marcheurs comme nous. Bien, nous ferions mieux de reprendre nos rondes. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous... Rhoda! Vous êtes stupide, comme tous les autres humains. Votre vie... Assez! Vous allez mourir. Vous, Rhoda! Mais j'ai besoin de cet argent. Je l'ai gagné. J'ai moi aussi des dépenses. Silence. Ne présumez de rien, j'y suis. Vous êtes d'une grande aide, mais ne présumez de rien. Nous avons d'autres informateurs qui sont moins... insultants. Personne d'autre ne vous a apporté d'aussi bonnes informations, n'est-ce pas? Étienne, il a parlé, n'est-ce pas? Il sait où se trouve le vieillard que vous cherchez. Il me l'a dit lui-même. Vous aurez le reste de votre argent lorsque nous aurons confirmé son histoire, comme convenu. Alors il a parlé, je le savais. Toutes les langues finissent par se délier. Bien, j'ai du travail. Laissez-moi m'y remettre si vous voulez voir un jour le reste de votre paiement. Est-ce que je pourrais vous aider? Il me fait confiance, il me parlera. Vous aimeriez descendre avec moi, c'est ça, j'y suis. Voulez-vous que nous détachions ces liens et que nous vous placions dans une même cellule? Vous n'avez pas vu? Non. Je vous l'ai dit, je ne sais rien d'autre à ce sujet.
Très bien. Tout ce que vous voudrez. Vous ne pouvez pas juste me tuer, qu'on en finisse. Il y a un vieux type. Je l'ai déjà vu à Faiez. Je ne sais pas où il habite, je ne connais pas son nom. Oui, il correspond à la description de cet Esbern que vous cherchez. Peut-être que c'est lui, et peut-être pas. J'ai dit tout ce que je savais, d'accord? Pourquoi vous ne me tuez pas? Écoutez, Sycophante, vous ne pouvez pas sortir d'ici, et nous tenons votre complice. Rendez-vous immédiatement, ou vous mourrez. Peu importe, je suis déjà mort. Silence, traître. Avancez, doucement. La suprématie des elfes est la seule voie possible. Hé ! Faites attention ! Vous ne pouvez pas vous échapper. Venez donc. J'aurais dû me douter que ça finirait mal. Je n'arrive pas à croire que Delphine ait réussi à m'embarquer dans toute cette histoire. Filons d'ici, vite !